Ça, c'est une autre méthode pour l'élevage des huîtres. Hein. Enfin, tout au moins, c'est le pré-grossissement. On fait rentrer du petit naissin et on les met dans des poches hein, qu'on appelle les permettes. Voilà, voilà comme se présentent les poches, hein. C'est une petite pyramide. Hein. On les met tous les 15 jours, on les sort de l'eau afin qu'on les met comme ça sur les barres hein, pour que s'il y a des algues ou quoi, elles sèchent. Hein. Au moins une journée comme ça, et après on les remet à l'eau le lendemain ou le soir même. Hein. Afin que les poches soient toujours propres hein, et que le courant puisse se faire, afin que la petite huître qui se trouve à l'intérieur se nourrisse hein, et grossisse en de bonnes conditions. Voilà. Alors à l'intérieur des poches, bon, on met une certaine quantité. Généralement c'est dans les 200-250 par poche. Ce sont des toutes petites huîtres hein, que nous recevons. Et que nous mettons à l'intérieur pour pré-grossir. Et quand elles sont à taille, hein, pour être collées sur les fils, et bien nous les sortons, nous les trions. Et celles qui sont à taille, hein, et bien nous les collons. Celles-là, elles ont, on va voir, 2 mois, 3 mois, 3 mois peut-être, 3-4 mois. Exactement, j'ai pas les dates en tête, mais fait 3-4 mois, elles doivent les avoir. Alors, bien sûr, dans le lot, il y en a qui sont mortes. Hein. Là, c'est la nature qui elle fait sa sélection. Voilà. Alors, les poches, nous on les a sorties il y a quelques jours, donc elles sont propres. Hein. On va les laisser encore. Hein. Alors aujourd'hui, on va aller chercher des pochons de naissin que nous avons acheté, du naissin qui est déjà tout prêt au collage, hein, prêt à coller. On va le sortir de l'eau, on va les mettre sur les chantiers, on va coller toute la journée afin de remplir les tables au plus vite. Hein. Voilà. Et dès que celles-là seront prêtes, on fera le même travail. Mais bon, celles-là, on les avait fait rentrer quand elles étaient toutes petites, hein, la taille d'une tête d'épingle à peu près, mais un petit peu plus gros. Et par contre, les autres, on les a fait rentrer déjà toutes prêtes. Hein. C'est du naissin naturel que nous avons fait rentrer par l'intermédiaire de notre agriculteur charentais. Là c'est une de mes tables hein. Voilà, qui est pratiquement pleine, hein. Bon, si ce n'est un ou deux carrés qu'il va falloir compléter. Et après il y a celle-là à côté, hein, qui est totalement vide et qu'il va falloir remplir. C'est pour ça que nous allons chercher le petit naissin et on va passer la journée à faire des cordes. Hein. Tout va bien, si on fait une bonne journée, on va en coller entre 120 et 180 cordes, hein, 18 000 belts quoi, qu'on va coller dans la journée, 18 000 petites huîtres, si tout va bien. On va essayer, on va chercher justement à faire ce que nous avions auparavant, avant que survienne la maligue et qu'on perde tout nos coquillages, c'est-à-dire avoir le roulement suffisant pour couvrir la totalité de nos ventes hein, tout au long de l'année. C'est-à-dire d'avoir des huîtres prêtes tout au long de l'année. Il faut qu'on ait les huîtres prêtes pour maintenant, les huîtres qui seront prêtes pour le mois de septembre, octobre et pour les fêtes à venir. On va essayer, mais bon, ce fameux roulement, il va s'acquérir au bout de 2 ans. Hein. Ça ne sera pas du jour au lendemain, donc il va falloir attendre 2-3 ans peut-être pour avoir vraiment le roulement. C'est pour ça que nous avons plusieurs tables et on va les remplir, au fur et à mesure hein, en fonction justement d'acquérir ce fameux roulement. En espérant qu'on n'ait pas les mêmes problèmes que nous avons eu l'année dernière, c'est-à-dire avec la grosse chaleur et les fortes mortalités que nous avons eues. Allez, ah, c'est bon. Merci. On en met deux à l'envers comme ça. Nous on en met à peu près, combien on en met déjà? 35 37 37 en bas. Ouais. Voilà, 37, en fait, 37 par 2, ça fait 74. Alors à l'envers comme ça, après par la suite, une fois que le chantier sera plein, on va mettre par-dessus une corde.
qu'on va accrocher au clou là-bas et qu'on va faire laisser tomber là. Et la phase finale sera de mettre une boule de ciment. Et par-dessus la boule de ciment, on collera une troisième huître hein, qui, elle, va bloquer tout. On va laisser sécher toute une nuit. Et demain, quand ce sera prêt, on ira tout remettre, tout accroché à la table. Là, le ciment pour mettre sur les huîtres. Hein. Préparer la colle, comme on dit chez nous. Ça tient, hein? Un peu. Voilà, là, on met tout à l'eau. On les met en paquet pour éviter que les dorades nous les mangent parce qu'elles risquent d'attaquer. On va attendre qu'elles se salissent un petit peu avec par les algues. Hein, et une fois qu'elles seront couvertes un petit peu d'algues, généralement les dorades ne les attaquent plus quand elles sont couvertes d'algues. Donc à ce moment-là, on les étalera sur la table. Donc c'est une parade. Hein. Enfin, on espère tout au moins. Falta una. Ce sera prêt à consommer ou dans 12 mois, ou 15, ça dépend. Ça dépend le phytoplancton qu'il y a dans l'eau, la croissance de l'huître. C'est à nous à juger bon, quand elles sont prêtes de les sortir. Notre métier, c'est un beau métier. On achète un produit, petit, enfin, le naissin comme ça, on le colle, on le met dans l'eau, on le laisse faire, et la nature fait le reste. Nous, on ne fait qu'intervenir pour le coller, pour le sortir, pour le nettoyer et pour le vendre. Donc, il n'y a aucune intervention de notre part. Alors, il n'y a pas de produit pour qu'il grossisse, il n'y a pas de produit, c'est un produit naturel. Voilà.